Tu nous as parlé de challenge au début avec le IAS, le PASS, je vais pas tous les faire. Nous, on est parti du concept, du principe qu'il y a un principal challenge aujourd'hui pour toutes nos boîtes, c'est d'arriver à vendre. Et c'est de plus en plus complexe, à la fois dans un univers hyper concurrentiel, et puis parce qu'il y a de moins en moins de relations interpersonnelles, et tout ça est remplacé par des flux d'emails et de coups de fil. Et à cause de cette problématique de relance, 60% de toutes les propales que vous envoyez, c'est valable pour tout le monde, en moyenne, 60% des propales tombent à la poubelle. Donc vous imaginez l'argent qu'on perd tous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la solution. Donc on vient de rajouter de l'intelligence, on a parlé tout à l'heure sur les SaaS applicatifs. Donc grâce à nos outils de machine learning, on analyse le comportement de lecture de vos prospects et on est capable de vous dire qui il faut rappeler, quand et avec quel type de message pour maximiser votre taux de conversion. C'est extrêmement simple, on est intégré dans tous les outils Oracle en particulier, Eloqua, CPQ, CX, HubSclade, etc. On est maintenant 25, on opère depuis Lyon et on travaille avec un millier de clients, dont une cinquantaine de grands comptes. Voilà. Et pour faire la transition, on travaille avec Oracle depuis deux bonnes années, je dirais au moins. On a commencé avec We Love Startup en enchaînant ensuite avec le programme d'accélération de startup. Pour nous, il y a plusieurs enjeux. Alors moi, je suis CTO de la boîte, donc moi j'avais déjà un enjeu technique, technologique. Oracle nous aide à passer le cap, à industrialiser, à passer de 5 000 utilisateurs quotidiens à 100 000 utilisateurs quotidiens. Donc on est en plein dans cette accélération, industrialisation, en utilisant, on espère rapidement, les ressources qu'Oracle a mis à notre disposition. Deuxième enjeu, c'est tout ce qui est intégration. J'ai parlé en particulier des 4 outils dans lesquels on est intégré chez Oracle. Au début du programme, on était au point zéro. Donc maintenant, on est intégré dans ces outils-là et grâce à l'apport technique et fonctionnel des ressources que Oracle a pu mettre à notre disposition. Troisième élément, c'est du commercial, quand même, le nerf de la guerre. Et c'est le fait que Oracle nous embarque chez vos clients, vous nous embarquez chez vos clients, ce qui va nous permettre de signer de plus en plus de clients communs, j'espère. Merci à tous les deux. Merci.